Donc nous voici au mois de février, où nous allons entamer pendant un mois toutes les procédures de qualification de l'attraction, et donc tous les essais de l'attraction, tous les modes possibles d'essais, de tests, les modes de sécurité, pour pouvoir qualifier à la fin de ce mois-ci l'attraction et offrir à nos visiteurs le maximum de sécurité. Pendant ces essais, on va faire fonctionner l'attraction dans son mode normal, à vide, pleine charge, demi-charge, en y mettant des mannequins qui sont tous calibrés à un poids d'être humain. Une fois que tous ces essais sont réalisés, alors le TUV pourra venir sur le parc, on fera fonctionner l'attraction, on fera tous les tests, et là nous aurons un certificat qui nous garantira que l'attraction fonctionne dans les meilleures conditions de sécurité telles que nous l'a imposé le constructeur. Nous allons également démarrer les éléments de décoration. Pour l'instant, nous commençons à voir arriver sur site, on va dire, les cages qui vont servir à recevoir tous les éléments de décoration. Les rochers commencent à prendre forme. On est aux prémices de la décoration, mais d'ici 2-3 semaines, on va monter en puissance. On va avoir des travaux de nuit qui vont s'effectuer pour pouvoir maintenir le délai et faire en sorte que la décoration puisse se monter sans interférer avec les essais du manège et la suite du chantier qui, d'ici un mois, va accueillir nos premiers visiteurs. La prochaine étape, c'est toute la décoration que l'on doit mettre à la fois sur le bâtiment et sur l'attraction. Et bien entendu, les deux effets majeurs et particuliers sur cette attraction, un effet d'eau et un effet de flamme.